qui est développé et produit par Step Air Studio. Il s'agit d'un jeu indépendant. On ne sait absolument pas quel est le moteur qu'ils ont utilisé. Moi, je dirais soit l'Unreal ou soit l'Unity. En tout cas, c'est pas du tout renseigné. Donc, c'est un survival horror qui se situe au sein d'une maison. Donc le pitch, en fait, il est suivant. J'ai été missionné par un hacker, en fait, pour faire un cambriolage. Donc lui, en fait, il me commande à distance. Il me dit exactement ce que je dois faire. Et je dois récupérer des objets précieux. Et puis il arrive effectivement des choses. Donc j'ai un petit peu avancé. Et donc, plutôt que de continuer à en parler, on va y aller de suite. C'est parti. Hop. Ah non, autant pour moi. Ça traînait un petit peu. Je me suis un peu inquiété parce qu'il y a des jeux qui n'acceptent pas Bandicam. Alors j'ai trouvé une astuce en téléchargeant un capteur vidéo en open source, mais qui s'appelle OBS d'ailleurs. Et j'avais un petit peu peur en fait. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ok, là c'est fermé. Ah, par contre, excusez-moi, petit problème là, j'ai l'impression au niveau des contrôles qui bind. Ah ouais, il m'a viré, mais d'accord, bon, on y va alors. Ah, bah, ça c'est pas terrible quand même. Ok. Ouais, ça c'est pas top quand même. Ok. Bon. Donc visiblement, j'arrivais pas à bouger. Il m'avait remis sur WSAD. Ok, donc là c'est fermé. Il faut que je trouve une issue. Donc là, je dois chercher. Have you noticed the number of pictures? Someone voilà, was clearly interested in photography. C'est le hacker qui. Or he wanted to capture something specific. Qui m'explique un petit peu les choses que je dois faire. Donc au niveau de, je dirais, du gameplay, ça me fait penser un petit peu à Infliction. Où effectivement il y a beaucoup d'interactions avec un appareil photo qui déclenche des événements ou qui font apparaître des éléments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc là justement je vais prendre l'appareil photo et je vais photographier ça. Donc je sais absolument pas à quoi m'attendre maintenant, c'est le but de ma chaîne effectivement. De vous spoiler le moins possible, mais surtout de découvrir en même temps que vous les choses. Donc là, je suis dans cette chambre parce que je cherche un objet. Je vous en dirai pas plus. Ok. Donc voilà, on peut la secouer. Là, il s'est passé un truc visiblement derrière moi. Ça a changé. Vous voyez, il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de porte. Donc il y a un petit peu, il y a un petit côté Layer of Fears aussi. Il y a la maison qui change, etc. Donc là, vous voyez, il y a un truc qui dans un coffre qui bouge. Il est puni. Ok. Alors oui, c'est uniquement en anglais. Hein. Les sous-titrages sont en anglais. La bande son est en anglais, la bande son est très bonne, les bruitages sont très bons, j'ai déjà eu des jumpscares, il n'y en a pas des masses, mais j'ai bien frissonné quand même. Donc je vous dirai ce que j'en pense de ce Mist of Eden. Donc là on va peut-être reprendre une photo, parce que j'ai l'impression que ce miroir là il est important. Hop. Ok.
Voilà, il se passe encore autre chose. Oh là là! Ça a complètement changé, vous voyez? Ah, c'est un mec maintenant qui est sur le... Qu'est-ce qu'il tient dans ses mains, lui? Au cédar, là. Ok. Donc faut faire une photo aussi, je pense, pour faire apparaître quelque chose. Non. Non, il n'y a rien. Ok. Ouais, peut-être la photo. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, pardon. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Ok. À qui? On sait pas. Hein. On sait qu'il y a eu des choses qui sont pas claires dans cette maison. Justement, c'est pour ça que le cambrioleur. Ah, bah si, il y a une clé. Le cambrioleur, en fait, avait besoin d'une personne TBR qu'il était prêt à payer justement pour aller chercher des objets que lui-même n'aurait pas fait. N'aurait pas. Ouais. Si, n'aurait pas fait. Alors. Donc là, il va se matérialiser, ouais, parfait. Ok, super. Voilà, donc c'est vrai que ceux qui ont joué à Infliction comment dire, sont plus favorisés que. Parce que le gameplay, c'est exactement le même, quoi. L'appareil photo, c'est l'élément central du jeu. Donc là, il y a une clé. Ok. Mais ça sert à quoi cette clé? Parce qu'il n'y a plus de porte là. Et lui, là, il est bizarre, il porte je sais pas quoi. Ah, peut-être l'armoire? Non, pas l'armoire. Ah, il n'y a plus de porte. Elle se marre, elle. Ok. Bon. On va peut-être repartir sur la photo alors. Peut-être. Allons-y. Parce que la clé, elle me sert à rien. Elle me sert absolument à rien, la clé. Ah bah là, voilà. Pourquoi elle me sert la clé? Mais elle est où? Elle est où la clé? C'est quoi ce délire? Je l'ai pas pris? Ah, je l'ai pas prise la clé. Ah, oh, le bouffon. Je suis désolé. J'avais pas pris la clé. Ok, c'est pas grave, on va la retrouver la clé. Ok. Donc elle est où? Ah, si, je l'ai prise la clé. C'est quoi ce délire là? Ouais, marre-toi. Tu sais que je suis paumé, c'est ça? Alors là, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. On recommence. Ce qui s'est passé là. Ah bah d'accord, ça y est, j'ai pigé. On va le mettre. Ça va être. Ça doit être. Ça représente un enfant, ça. C'est ça. Ça va être ça. Ça doit être ça. Ah bah il a dit. Oh punaise! Oh bien joué, c'est qui ça? Oh la vache! Ah bien vu! Ah ouais!
je suis à l'envers là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il fait noir. Ouais, je pense qu'il faut prendre une photo là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je pense que je vais pouvoir ressortir. Ouais, mais par contre. Ah! Ah, d'accord. Il y a un grenier. D'accord, ok, ça y est, j'ai pigé. Donc en fait, c'est pas dans la chambre qu'il est l'objet que je cherche. D'accord. Non, c'est fermé. C'est fermé. D'accord. Réfléchissons. Ça, je l'ai fait. Alors, essayons de trouver l'astuce. Alors, remarque, il y a des photos, là, j'ai pas regardé. Photo du côté du rideau. Ah bah attends, je prends de la lampe. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Là, on va prendre une photo. Non, ça va passer. Ici. Ah, mais c'est quoi ça? Une porte, hein? Ah, il y a une porte là! Ah, ok! Ben, voilà! C'est bon! Ah, d'accord! Oh! Celle dedans! Vas-y! Négatif. Ah d'accord, c'est que pour les femmes? Je savais pas. D'accord. Je savais pas qu'il y avait des sédatifs uniquement pour les femmes. I knew that a child used to live here, but why is this the only thing that was left of him? Where's his bedroom or toys? There must be at least something. D'accord, ouais, c'est vrai. Il y a un enfant qui a vécu ici. C'est lui qui faisait les dessins? Ah bah tiens, on va prendre la photo. Ouais, mais il s'est passé un truc. Oh la putain, je suis où? Ah d'accord. Le mari voulait tuer le gamin? Oh punaise, il est où? Oh punaise. Ça monte, ça monte, hein? Ça monte! Oh là là. Boufoufoufou. Bon allez, on y va. There's something very strange going on here. Non, tu crois? Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. Ah ok. Donc on oublie le collier et on se barre. Ok. On se casse alors. You can't stay here anymore. Jump over the balcony and get out of here. D'accord. Ok. Je peux ou pas? Je peux pas sauter du balcon, mec. Je fais quoi, moi? Jump! Ouais.
jump, je peux pas. Je peux pas jump. What are you waiting for? Jump! Bah toi, tu risques rien, hein, contrairement à moi. You can't, can't you? Okay. Let's move on. Hein. Oh là 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 là, putain. Ok, photo. Le level design est très bon. Moi, j'aime bien. Non, je peux retourner là. Oh punaise, il y en a partout. Oh mon Dieu. Il y en a partout, punaise. Bon. Ok. Je retourne là ou pas? Le choix. Pas le choix. Encore un. Encore. Ouf. Pas une très belle gueule lui, hein. Il a pas une très belle gueule. Ok. I don't like it. Not at all. If some artist or writer starts to tell you about the deep meaning of his work, do not believe him. There are only two things they can write about. It's themselves and their issues. This woman had a lot of issues. Ouais, je pense qu'elle a pas mal de problèmes, effectivement. Photo. Ici. Une jambe. Ah, ceci dit, le mannequin est disparu. Hein. Il a disparu le mannequin, lui. En passant. Encore celui-là. Ah, elle a changé, putain. Elle a changé. C'est plus du tout le même visage. Oh, punaise. Plein de cadres, en fait. Ah, d'accord.
C'est gay, hein, les peintures. C'est elle l'artiste peintre, en fait. Ouais, elle était un peu dérangée, effectivement. Deux autres. Tout petit là. Voilà. Sam, I have interference. I can't hear you. D'accord, donc lui il va m'abandonner en plus. Bien. Sympa. Ça met l'ambiance, hein. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Oh, mais il est revenu, lui. Il est revenu, Dédé. Ah, putain. Ah, au Cédar. Il joue avec moi au Cédar. Il s'est passé autre chose dans la pièce. Ça a dû changer. Allons-y. Ah, d'accord. Ça s'est ouvert. Welcome. Salut. C'est l'enfant, ça, ou pas? On sait derrière. Moi, je ferme. Courir là, non? Je tente. Pitcher, do you hear me? Take a pitcher. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est exactement comme une fiction, hein. Les esprits disparaissent si tu prends une photo. Voilà. Ah bah c'est le fameux grenier que je voyais. Ok. Il faut que je récupère ça, j'ai pas le choix. Ah il est cassé! Ah merde. Ah oui d'accord, ça y est, j'ai compris. Là on est dans Visage maintenant. Ok.
C'est l'appareil photo qui va me donner le... Ouais, d'accord, ok. Je peux le récupérer quand même ou pas? Ah non, je peux pas. Ça sert à rien. Ok. Très bien. Ah, c'était là où on voyait sur la vidéo qu'il y avait une entité là. Punaise. Ah, d'accord. Ça se transforme en porte. On veut que dalle. D'accord. Dessus. Ça va mal se terminer, ça. Ah, efficace, hein. Très efficace, hein. Ah, il y a une trappe là. Oh, punaise, je vois rien. Que dalle. Ah. L'enfant a noté ça quand il était tout seul dans le noir. Ah d'accord, elle l'a laissé dans le grenier et il a crevé de suffocation. Super! Non, c'est bien, sympa, elle est sympa. Non? Ok. Ah parce qu'il pleurait trop. D'accord. Il avait faim. Super, non, sympa. Famille très sympathique. Très sympa la famille. Rien. Ah ouais, elle l'avait mis dans une cage, putain. Ah, non. Sympa. Ah, c'est fermé. Putain, mais j'ai vu ça. Ah, ça a encore changé. Ah non, autant pour moi. Il faut trouver une clé là. Un tuyau, hein. Où est-ce que je vais trouver une clé, moi?
J'ai mal. Il y a des chiffres. 5, 2, 7. 527. Un coffre ou quoi? Quoi faire là? Tout ouvert maintenant. Ah non. Mais qui c'est qui l'a coupé à la hache? C'est le mari ou la femme? Ah, je suis dans la merde, j'ai pas trouvé de clé. Ah, ça sent le jeu, à moins qu'il faut tourner, non? Ah. Ah, il y a un faisceau de lumière. Ça s'ouvre pas, ça. Le faisceau, il arrive ici. Ah, mais il prend plus de photos. Ça sert juste de lampe. Ah, c'est un trou, en fait. D'accord. Attends pour moi. Ah, c'est ça qui fait la lumière. Ouais, non, mais là, il y a bien une trappe, là, ici. Je suis pas fou. Il y a une trappe, là. Merde. Pourquoi faire, là? Il y a 527. Ah, bah, ça y est, c'est ouvert. J'ai peut-être plus besoin de lumière là, du coup. J'ai plus besoin de ça. Là. Merci. Ça me sert plus à rien. Bon, ça se soulève, ça ou pas? Je crois que je suis mort. Ouais, mais je suis quoi? Ah non! Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas deux tapis comme ça. Hein. Ah ouais. Je suis pas mort.
Faut se servir de l'appareil en fait. Je crois que c'est ça. Ah mais il marche pas. Ah d'accord. Ah si, c'est bon. La trappe s'est ouverte. Autant pour moi. Good. Bah écoutez, si vous aimez vraiment les survival, l'ambiance... Layers of Fear, Pity. Je vous recommande ce Mist of Eden qui est franchement, franchement bien, d'autant qu'il est à 6€ là actuellement. Donc, ça vaut le coup. Vraiment. Je sais pas qui c'est ça. Je pense qu'il faut aller là. Oh putain, on voit rien encore. Oula! That's qui? Why they didn't find her. Ah, c'est elle! Ah, d'accord. Ok. Ah, mais c'est le collier. Voilà. We found what we were looking for. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Je suis pas sûr. Good. Ah, donc elle a disparu en fait. Donc en fait, les entités sont reliés à des objets. Ah d'accord. Ah ouais, donc le mec, c'est pas un simple cambriolage. Ok. Ah, désolé, j'ai spoilé, je suis désolé. C'était franchement, je suis désolé. Bon. Ok. I did some scouting here. Check the main facade and you'll find a small window. It should be open. Get in and I'll tell you what to do next. Ah d'accord. Ah, je croyais que c'était un cambriolage, moi. Non. Bon, ça va, je vous avais pas trop révélé non plus. Ah, ok. Ok. Est-ce que j'ai récupéré ma caméra? Ah non, putain. J'ai plus rien. Oh merde, j'ai plus de lampe, j'ai plus rien. Ah la crise. You know what? I have a feeling that we should look into the basement. Oh punaise, non, pas la cave. Pas la cave, s'il vous plaît. J'aime pas les caves. Oh putain. Oh, j'aime pas les caves. Bon, on va pas tarder à arrêter de toute façon.
Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis voilà, si vraiment... The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. Don't be so mad. I'm just Ah, il est kidding. marrant, lui. Il est drôle, hein? Bon, c'est pas la peine de se traduire. Bon, c'est pas méchant. Il dit juste que ça ressemble à mes enfants, mais en fait, ils me ressemblent pas du tout. Ok. Gloomy walls and piles of books. Be afraid of knowledge, buddy. The more you know about the world, the more clearly you see it's monstrous. Try to walk along the corridor. We need to descend down. Ah oui, c'est ça. Les escaliers qui descendent, bien sûr. Ok, on y va. Tout ça sans lampe, hein. Punaise. Ah bah si, j'ai récupéré ma lampe torche. Bon, alors là, je sais pas comment j'ai fait. Bizarre. Très bizarre. Vous voyez, c'est quand même super joli. Hein. Alors, moi, je pense que c'est quand même... que c'est le Unreal Engine. Answers are waiting for you in the basement. Ouais, on y va, on y va. We need to go down. Ouais, je sais. Pas le choix, de toute façon. Do you hear noise, or is it just me? I need to change the headphones. Oh, punaise. J'aime pas les câbles. J'aime pas les câbles. Bon, la prochaine sauvegarde, on Move this thing aside. Why did they even put it here? There is a rare knife stored somewhere here. At least, it is according to our client. You'll know it when you see it. Quelque chose me dit que je vais pas tarder à courir, à mon avis. C'est fermé? Bah. Ah. Suis-je bête? Bunks? Why would someone need to leave bunks under a tu mansion? Is that an immigrant hideout or what? Ouais, possible. Possible, possible. Non, c'est pas très intéressant. Par contre, là, c'est peut-être intéressant ça. C'est très étrange récemment. J'ai juste mis un rêve. Mon enfant et moi, amis, nous marchions dans la cave à la pierre bleue en parlant de choux. Mon docteur pensait que c'était dû. À mon inaptitude. À accepter son départ. C'est vrai, bien sûr, je ne peux pas. Mon enfant est parti. Que quand nous dormons au premier étage, mes rêves deviennent plus nets. Je me demande ce qui se passe.
quand j'essaierai de dormir dans la cave. Plus bas j'irai, plus mes rêves seront nets. Mon enfant m'appelle, je ne peux pas le faire revenir, j'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce qu'il essaye de me dire. D'accord. Ok. Ah oui. Ah, c'est pas une cave, une cave propre, ça. Ça va. Ouais, est-ce que j'ai à nouveau l'appareil photo du coup? Ah non. Ah, un échiquier. These chess pieces look kind of strange. Maybe you can use them. Ouais, je suis pas joué aux échecs. Un cavalier. Ah mais d'accord. Ah oui, comme ça je sais jouer. Comme ça je sais jouer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, je sais jouer comme ça. The holes under the pictures look like keyholes. Try to put the pieces inside. Ouais, les trous, ouais. Je vais fermer la porte, là, tiens. Voilà. Donc non, à mon avis, c'était pas ce qu'il fallait faire pour les chiquer. À mon avis, c'est pas ça. Hein. Il y a autre chose. Hein. Il y a autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a parlé de trou. Mais après, je sais pas ce qu'il a dit. J'ai pas fait gaffe. Si je reprends une pièce, qu'il va me le redire. Merde. Ah, c'est mort. Ah, il n'y a pas d'objectif. On peut pas retrouver les objectifs. Ça, c'est un petit peu dommage. Ah, ça se pousse peut-être, ça, non? Non. Passage secret ou je sais pas quoi. Ah, il a parlé de trous dans les murs, effectivement, il y a des trous. Les 4 points cardinaux. Ah non, non, il y en a plus que ça. Ah, il y a des trous. Je sais pas. Pense qu'on va arrêter là parce que là je semble être bloqué. Ah, attends. Oula. Ah oui, il me vient une idée là, ça y est. Ah ok, c'est bon. Ah mais après c'est bien. Ah oui, d'accord, ça y est. La photo, autant pour moi. Non, c'est facile en fait. Les énigmes sont simples. Ah ouais, ok. Donc là, c'est quoi? C'était quoi ça? Ah bah ça va être le bon parce qu'il est bien placé. J'ai pas fait exprès. La reine. Ça c'est la tour. Même si je joue un peu aux échecs quand même. Allez, viens. Ah ok. Et le dernier, la tour. Ça c'est le cavalier. C'est ça la tour. Ok, nice. Passage secret. So what are you waiting? The door is open. Move. A cave? I
I don't feel well. Do you hear the whisper? Je confirme, c'est le Braille, ça. What are we doing here? Ah, il est bien ce jeu, j'aime beaucoup. Et là, je suis parti pour tout le faire, là, donc il va bien falloir que j'arrête quand même. I remember now. You're seeing people. C'est super beau. Hein. We do have a goal. We want to understand who is talking to us. Who is really saying all these lines? This is a natural curiosity. There is nothing unusual. I hear a female voice. She wanted to get her son back. She was lied to. Je crois pas bien, c'est elle qui l'a tué ou pas? C'est quoi ce délire? J'avais dit à la prochaine sauvegarde, on arrêtait. This place cannot exist. Do you hear me? This place is... This place is very important. I want to tell you something. I just... can't. All I can hear is this distracting thing. I'm losing my thoughts. Losing. Did I want to say something? D'accord, on est en train de perdre la raison. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. Moi, je vais continuer, évidemment. Donc, franchement, je vous invite à télécharger ou à acheter ce Mist of Eden, qui est vraiment une bonne surprise. Enfin, j'avais un petit peu d'a priori. Je me dis, un jeu qui a 5 euros, bon... Mon avis, il ne doit pas être complètement terminé, il doit y avoir des bugs et tout, mais pas du tout. Et en plus, il est très beau, très varié, le level design est très habile. Donc vraiment, vraiment, je vous le recommande. Voilà, donc je ne sais pas quel sera le prochain jeu que je vous présenterai. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!